Tout le monde est d'accord, votre site de référence pour de nouveaux bras à Paris, on fait suivre la film de gaz mandat. Info, tout le monde est d'accord. Votre site de référence www.brazzaparisinfo. Fimbo na fimbo, gaz na gaz. L'on est mission d'abissau vérité pour elle. Pour nous avons le plaisir de recevoir le jeune maître, c'est quelqu'un qu'on peut plus présenter dans la diaspora. Gaylor Poibou, c'est le membre du collectif Ça Suffit. Ils ont fait un travail excellent et formidable au sein de la diaspora. Et aujourd'hui, ils viennent répondre à madame, pas répondre. Ils vont répondre à madame Gertrude Maladou et ils vont nous expliquer leur programme, les affaires, palais de justice de Rouen, collectif Ça Suffit. Donc, tout banana ni na Gaylor ou na. Bon, Gaylor. Éclaircissement sur l'affaire Gertrude Maladou. Pourquoi vous voulez coûte que coûte répondre à cette dernière? Et pourtant, c'est l'une de vos, pas peut-être monitrices, pas peut-être mentors, mais c'est une dame que vous êtes vraiment très très proche d'elle. Pourquoi aujourd'hui vous voulez la répondre? Tout d'abord, bonsoir, peuple congolais. Bonsoir et merci à toi, Aristide Mobebisi, Fimbo na Fimbo, Gaz na Gaz. Vous conviendrez avec moi que c'était très important pour nous de venir apporter des éclaircissements sur cette affaire parce que nous ne pouvons pas accepter cet imbonglio, dirais-je. Quand on pose des actes, il faut les assumer. Et cette dame-là, elle se revendique être une apakoïste. Et quand on la questionne, elle cherche des boucs émissaires. En l'occurrence, la personne de Sadio Morel Kanté. C'est pas parce que nous sommes dans une communauté, nous luttons pour une cause noble, qu'à tout moment, on peut se laisser tenter à des jeux de coups bas et autres. Et je pourrais même aller plus loin, organiser des assassinats de communicationnel sur des personnes de bonne volonté qui travaillent, qui font vraiment un travail de fond, parce que ceux qui sont vraiment dans l'appareil, qui sont dans la maison, on sait qui est qui fait quoi. C'est pourquoi nous nous sommes levés. Nous nous sommes levés, nous avons dit, c'est pas normal que cette dame-là se pointe auprès d'un homme que nous jugeons qui ne fait plus partie des nôtres. À l'occurrence, monsieur Parfait Kolela. Mais revenons-en à Gertrude Maladou, Sadio Kanté. Beaucoup de gens disent dans la diaspora que Sadio Kanté, elle est très problématique, elle est source de problèmes. Si Gertrude Maladou pointe cela, c'est un problème? Effectivement, c'est un problème. C'est pourquoi je dis, elle a clamé, elle a dit que... parce que c'est une championne des esquives, hein. Ça franchement il faut le souligner aussi parce que je ne pense pas que Sadio Morel Kanté c'est Grace Luemba, je ne pense pas que Sadio Morel Kanté c'est Huguette, je ne pense pas que Sadio Morel Kanté c'est Alphonsine Mikwiza,
Donc j'en passe. Je pourrais te citer toute une panoplie des femmes de bonne volonté, de caractère, qui sont levées pour le pays, mais cette dame-là s'est toujours interposée. Je peux te citer, elle le sait. Si tu revois la vidéo qu'on a eu à faire avec Hérold, j'ai bien dit que la première fois que je me suis adressé frontalement, donc verbalement, à cette femme-là, ça datait au moins de 2015 ou début 2016, quelque chose comme ça. C'était suite à... Elle a dit, hein, chez toi, qu'elle ne cherche pas des noises aux gens sur Internet et tout. Mais Aristide, nous, on a des preuves. J'ai des captures d'écran, là où cette dame s'est acharnée sur Sadio Morel Conté, nous insultait. Elle a même dit que Sadio Morel Conté a cannabisé tous les jeunes de la diaspora et que Sadio Morel Conté, qu'elle était une étrangère, qu'elle avait fait ses 18 ans ici, que le fruit était mûr. Mais moi, aujourd'hui, en 2017, Madame Malalou Gertrude, je vous pose la question ce soir. Avez-vous cueilli ce fruit-là, dont vous avez dit qu'il était déjà mûr et que Sadio Morel Conté voulait venir prendre à votre place? Non, il faut arrêter avec ces comportements. Nous, nous sommes une jeunesse éveillée et pris de démocratie. Donc, on ne peut pas se laisser malmener par ces genres de personnes qui ont des comportements haineux et tout. Parce que dans le message, là, ce qui m'a frappé, c'est le côté xénophobe, en fait. Le côté xénophobe. Or, moi, il n'y avait pas de la xénophobie, elle était claire dans ses propos. Non, 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 non. Elle a dit que Sadio Morel Conté, c'était une étrangère. Je te dis, mon bébé ici, Yo Yebi, renseigne-toi, hein, les gens au sein de la diaspora, ils vont te dire que Guélan Poibou, c'est quelqu'un d'intègre. Et même là, la machination sur la personne de Sadio Morel Conté. Mais mon frère, je te confirme que c'est une vue d'esprit. C'est une affabulation. C'est quelque chose d'imaginaire, d'infondé. Mais que les gens, hein, Bame Vukana, je vais te parler un peu mon Koutouba, Bame Vukana, ils se sont concertés pour vouloir nuire la personne. Donc 10 Lukaya. Ça veut dire que Chimeimbi, la haine sur la personne, pourquoi? Parce qu'on reconnaît les talents de Sadio Morel Conté, côté communication, on sait ce qu'elle a fait. Et les résultats sont là. Si tu me poses la question, je vais te dire. Qu'est-ce qu'on mais, a fait? Mais Gertrude Malalou aussi, on sait ce qu'elle a fait. Gertrude Malalou, elle brandit ses 18 ans. Donc aujourd'hui, je vais ajouter même peut-être qu'à 19e année ou 20e année. Mais je vais te dire, qui est Gertrude Malalou? Gertrude Malalou, elle en même temps, upadéiste. Et après, elle est passée de l'autre côté du cercle de la rupture. Du côté de Maître Brice Zomba, de 2010 à 2012, elle était éjectée. Mais pourquoi elle était éjectée? Il faut se poser des questions. En 2012, elle est partie à Brazzaville. Nous sommes informés. On vous dit que nous ne sommes pas... Mais est-ce qu'elle est interdite d'aller à Brazzaville? Mais à Brazzaville, quand elle arrive à Brazzaville, elle est reçue par des hommes en uniforme. Il faut te poser la question, Arisim Bouébis. Mais Congo... Non, même Bikalou, vous, nous, même Bikalou. Vous, une qui habite... Même Bikalou, vous. Bakal, non, nous avons vraiment... Il y a un Zab. On ne peut pas dire des choses et faire son contraire. Hein, Aristide. Elle se dit. Universitaire, professeur en université. Ah papa, même on est qu'un ingénieur, papa. Ça, le niveau, la capacité. Jalousie, c'est tout. Non, jalousie rien. La preuve en est, elle n'arrive pas à faire le distinguo, elle n'arrive pas à se positionner. Ça veut dire qu'assumer sa prise de position. C'est pour. Mais là, elle est à Paco. Voilà. Avec parfait collé là. Voilà, c'est pourquoi je profite l'occasion. Je profite l'occasion d'interpeller nos doyens de la diaspora. Parce que nous sommes sans repère en ce moment-là. En ce moment, nous sommes sans repère. Il faut se le dire. Madame a le derrière entre les deux chaises. Elle dit qu'elle est coordinatrice de
de je ne sais quelle structure d'organisation, machin et tout, elle se revendique d'être APACO. Mais qui est Parfait Kolela? Mais Parfait Kolela, c'est celui qui fait le lit de Denis Sassou Nguesso. Elle pense qu'elle est plus intelligente que Vivi Manangu. Mais Vivi Manangu, aujourd'hui, si on ne parle, on leur interpelle pas, et l'André Déco et tout ça, mais parce que ce sont des gens qui se sont prononcés. Vivi Manangu a écrit, il a publié, sa lettre de démission a été lue par tout le monde. On sait que le monsieur a démissionné. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un désaccord profond dans ce qu'ils se sont dit hier et ce que Parfait Kolela est en train de faire aujourd'hui. Mais attends, Aristide Mobebisi. Yo, sali émission a yé. Nakati émission wana. Mais elle dit des choses graves, des allégations graves. Lesquelles? Contre le général Moukoko. Quand elle dit que Parfait Kolela lui a dit que ils se sont entendus que le général avait dit qu'il devait mettre l'armée dans la rue et que Parfait Kolela devait mettre la population dans la rue. Aristide Mobebisi. Okongakalasi tombe sur ces genres de choses, peuple congolais. Okongakalasi, le dossier du général du peuple est vide. Et que cette dame-là, cette femme-là, qui se dit maman combattante, maréchal, elle se permet, mais être combattante, c'est pas au-delà de tenir trahir au bail moi maronayo oui au créer ça se dégage, c'est pas ça. C'est pourquoi Bissot bat pour comprendre. Il y a ma polémique, mais il y a ma vie. Nous sommes rentrés dans ce combat, nous, cette jeunesse là. Je souris même, je sais pourquoi je souris. Nous sommes rentrés dans ce combat là pour remporter la victoire. Nous, on va mettre ce régime-là hors d'état de nuire. Parce que ce pays-là, cette population-là, a des enfants qui réfléchissent. On n'a pas besoin d'être cadenassé par des soi-disant aînés, mamans, qui sont là dans des combines politiciennes. On ne peut pas accepter. Elle se revendique d'APACO aujourd'hui. Parfait Kolela dit qu'il y a la démocratie au Congo. Donc ça se résume à rester mon BBC. Quand moi aujourd'hui, je demande à nos doyens de la diaspora, ils doivent se prononcer. Malalou Gertrude fait partie du comité qui organise leur fameux mouvement de la libération, ou je ne sais quoi là. Hein? Que nous on ne considère même pas là. Mais comme nous sommes des démocrates, on leur laisse le temps de faire. Comme on a dit à Malalou, tu te réclames d'être apacoïste, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais par contre, nous, on ne reconnaît plus Parfait Kolela comme étant un opposant. Pour nous, c'est un opposant virtuel. Voilà. Jeune maître, les affaires, ambassade, tribunal de Rouen, convoqué par le porte-parole de la République du Congo. Parce que marambo tout en a qu'on a eu aux amours namoké pour nanini osu mais ma charge tout en a qu'on a namotuna. Déjà merci pour la parole Aristide Mobebisi. Mais bon c'est ça le combat. Voilà, c'est ce qui prouve le combat. Donc dans la diaspora je veux un peu sortir de la question. Par rapport à ce qui se passe dans la diaspora, ils en ont bateau et au bateau quand ça que combat, le combat se limite à eux. Mais or que Awa, ils ont tout comme une étape, Moussous. Donc, je vais répondre à ta question. Suite à Makambo ambassade, ça prouve qu'on est dans le vrai. Donc, Makambo ambassade, histoire à Rouen. Comme je l'avais dit, dès le retour dans l'interpellation dans l'ambassade, dans le Baki, ça ne fait que commencer. Donc là, vous avez bien vu sur la toile que Thierry Mongala n'est pas tranquille. Et c'est ce qui prouve le combat. C'est ça le combat. Le combat n'est pas, tu viens là se faire beau. Là, je vais reprendre à Gertrude Malalou. Se faire beau, oui, on a un podium. Comment c'est qu'à bateau, tu ne te respectes pas. Déjà pour commencer, je tiens à dire et à respecter tous les mamans de la diaspora. Bah, que qui est ces jeunes-là, tout respecte à Kabango Ming et Gertrude là où elle est,
à Yebike, Ngaï personnellement je la respecte. Donc à qui moi à déborder moi, voilà pourquoi il faut na l'obané que elle doit se ressaisir. Elle doit se ressaisir pourquoi? Parce que bah ça lit ton abango, il faut bâtir qu'à ton abat jeune. Donc ton abat jeune qui dit jeune, on ne sera pas là au jeu de sentiments ni à jouer à deux poids deux mesures. Donc on est des jeunes qui sera direct. Donc il faut allons la peine à Moutounaï que je ne serai à la hauteur de frapper une maman dans ce combat. Donc parce que ennemi Nabissou Ezali Denis Sassou Nguesso Kanetiocho signifie Ango Makambo ambassade Makambo Yachiri Mongala, c'est ce qui fait le combat et c'est ce qu'on est en train de prouver jusqu'à nos jours que Toko Tshikate on est dans le vrai voilà quoi. Mais Tomoni le problème à Denis Sassou Nguesso, c'est l'éveil de la jeunesse. Parce que Denis Sassou Nguesso na kala batrokola batister ba milongo ba na aro sakana esprit na bango. Mais binoski boke boko tumba ambassade. Bozo tcha bango mal à l'aise. Trump a boyiko yambaye. Donc Sassou Nguesso même azo ki ma voyager quand même awa. Dernièrement qu'on a buto à celle aller retour pendant mon mois ciné mais azo bomba na sikoyo. Pour na bino makambo bozo sala. Donc a éviter comment ça s'appelle à éviter motaro bête ceux qui nous étaient route à quelle place Sassou Nguesso a commis en insécurité il m'a attiré votre insécurité mais il m'a raconté ce qu'est l'insécurité pour le bino il y a un moment où il m'a félicité mon salaire mais il devait moi ni pire vieux n'anga il va qui va combattre va sili va vider à sili si ma camboana il y aura le banin Naseki parce que Aïbikel va combattre à s'adresser gay mais bon tant que vous au monde à combat vous au monde là n'ayez toujours qu'un délai. Donc, le qui veut dire combattant, on est toujours là, pour mon avis, on a de humanité. Donc, bah, combattant, bah, on va le bilaka, on a évité, bah, Zabanan. Donc, dans la place de Paris, bah, yébi, qui est combattant sur la place de Paris? Donc, il devait, je sais pas, quoi, on a même pas n'attendait parce que, combien ça a été, moi, le combat, je sais comment mener mon combat. Et, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas répondre à il devait parce que, bazaka, bah, nyamam, kemike. Nanga bazaba nyama mike mike basala kama kama na Brazzaville basala kama kama awate parce que moi on fait les choses ici on assume par contre bango basala kama kama pour assumer quand on donc j'ai pas le temps pour il devait moi parce qu'on a passé temps en athée et dans la diaspora bouyibi nanaza combattant et je veux pas rentrer dans les polémiques affaires à suivre. Merci Hérode le jeune maître. Pourquoi vous dites que Parfait Kolela est un opposant virtuel? Parfait Kolela. Non, mon goûte pas de préférence. Bon, je veux commencer un peu en français et après je parlerai mon goûte pas. Parfait Kolela est un opposant virtuel parce que il fait le coubertinage politique. Je m'explique. Hein? Malalou Ngemouta Posingé professeur va vérifier. Pierre Coubertin était qui? Donc je dis, toi, ton mentor, il fait le coubertinage politique. Il allait aux élections présidentielles pour exister et non pour la gagner. Parfait Kolela, peuple congolais, écoutez bien. Parfait Kolela est allé aux élections présidentielles pour exister et non pour la gagner. Donc il ne peut pas nous embrouiller. Le général Moukoko parle à 5h du matin, 6h. Lui, à 8h, il vient, il brandit les résultats. Il dit que j'ai gagné. Qui va oublier cela? C'est lui qui a tout faussé. C'est lui qui a tout court-circuité. Donc, il a fait le jeu de Sassou pour devenir le numéro 1 de l'opposition. C'est même le mobile de sa visite ici en France. Nous, nous sommes informés. Tu as informé, Makambo, tu es bien. Donc, à Iawa, à Kozonga, à un nombre de députés, à Kozoa, à Parlement, à Salimassou, à Bango, à Lubaki, en septembre, à moment, il y a un meeting, il y a Brazzaville, à boulevard Alfred Raoul, à Raoul, que tout ça là qui dit, mais cette fois-ci, c'est mon tour, peuple congolais. Et une personne comme ça va venir dire aujourd'hui, vouloir dire que non, c'est le général Moukoko qui n'a pas mis l'armée dans la rue. Mais soyons sérieux. Et une personne comme ça voulait le soutenir? Peuple du poule, le réveillez-vous. Il ne faudra pas qu'on puisse vous prendre pour des moutons. Réveillez-vous. Hérode jeune maître, Tomoni que Bowel Raki leader. Na bateau bakana bango ba sapeur na kala.
Nord, ba Betty, Bango, ba Fimbo, na ba Croco, ba Kimi, la Sap, ba yoko ta y combattant. Na bato ba Uta, soki na ba Kel, ba Mboka, soki na ba Moscou, soki ba Wapi, ba Koki, kuna l'école, te, ba yoko ma ba combattant na poto. Na bato ba sou soukouti ya Tina, koutou te, soko mouni ma koutou na mawa koutou na pasi. Siko, chef na bine zaranani. Merci pour la question. Déjà pour commencer, personnellement, je n'ai jamais rêvé être leader. Donc, combat nanga nzambe motaye biango et puis ayebi na ba ambition nanga. Donc, nana chefté, tous nana chefté na kacha combat oyo. Donc voilà quoi. Sinon, personnellement, je n'ai jamais rêvé d'être leader de quelqu'un, de qui que ce soit. Mokolo na kozala leader, nzambe motaye biango. Mais na wele la place na motote. Gelor, mouvement nabino, on ne sait pas nani vanda responsable. Souhaite avec Kakuna o, nous nous chef de file. Oh, ngai motana banda marambango. Oh, soki banani banani. Maintenant, nani vanda chef abino. Non, Aristide. Ngeza ba bas énergie hein. De façon bon, de façon ça la monde, ça la science hein. Bas énergie, bas électrons. Là avec gravité qui. Avec gravité toujours autour et un noyau. Donc au béton, il y a que noyau en fait. Et bah, c'est l'électron qui est libre. Tu vas voir que au sein des combattants, sinon des résistants, il y a ceux qui font partie de l'association Sauvons le Congo par exemple. Et moi et Harold et les Andrea et autres, nous faisons partie de l'association, l'ONG, le collectif Sassoufi. C'est vrai que Tozanaba structure Nabisso, mais quand il s'agit de mener des opérations ensemble, synergie, il y a énergie ouana ensemble, convergence ouana, tout ça la kango, tout mener l'opération Nabisso à bien. Au moment n'a jamais, par exemple, Ngai, Gelor Poabou, il y a déjà que Gelor Poabou na Andrea Gombe polémique na Facebook. Andrea il y a TV5 Monde et tout ça là, tout Kenya Baziana TV, tout ça l'opération Nabisso, tout ensemble. Et ça la mis ça là au niveau institutionnel. On sort avec les Sadio Morel Conte, on nous sommes déposés mémorandum na Baquet d'Orsay, na ba OIF. Hmm? Michael Jean nous a reçus, nous sommes rendus à Amnesty International. Dans le rapport, je demande aux Congolais d'aller lire le rapport annuel d'Amnesty International. On parle du Congo, des prisonniers politiques du Congo. La page prisonnier politique 242, c'est toute une synergie d'intelligence qui a été mise en place ensemble avec les Andrea Gombe, les Gelor Poabou, les Rod Gombia, les Sadio Morel Conte. C'est même elle dans le comité de soutien des prisonniers politiques qui s'en charge des questions avec les OIG et les ONG. Donc, il y a un mot. Donc, la comprendre bien, il y a un combattant El Sadio et l'autre, il y a un combattant El Malalou. Non. Parce que Malou, on a tantine. Non. Bah, tu vas éviter très bien, les gens savent hein, que les lois combat, les lois, tout cause, toi, on a parti prêté. Donc, on travaille avec cette dame qui est Sadio. Tout est à l'Obama. Est-ce que nous avons travaillé avec Gertrude? Ah, yo travaille avec Gertrude, il y a pas bien. Ce que vous travaillez, il y a ma bête. Mais nous, on travaille avec Sadio, on sait pourquoi on travaille avec Sadio. Et ça, c'est ma camboya sentiment. Na comme Sadio là où elle est, et c'est. Parce que biso tango ma camboya na Sadio, tout le bacanaï, on l'agresse cette dame. Donc, on est à ma camboya pour bombarder. Donc, si on comprend bien, les camboya Sadio na Gertrude et le problème, il y a leadership. Moi personnellement, je peux pas. Comme Sadio et Jeanne d'Arc, Gertrude c'est comme maréchal. Bon, je pense que Oyebi Sadio et Ndenge Boso Monela, je pense qu'elle a beaucoup changé. Parce que suite à la vidéo et à Malalou, vous avez vu la réponse de Sadio, elle était posée. Je crois que pour le moment, je pense pas que Sadio Azo est la qui leadership n'aille. Je pense pas. Mais après, ce qui a problème. On a vraiment qui leadership bah bon ça entre bango, mais je pense pas que Sadio est un imposteur qui leadership.
Merci, nous arrivons pratiquement au terme de notre émission. Vérité Poélé Poélé, donc Gelor Pouabou, le mot de la fin, s'il vous plaît. Sans parler de notre structure, tu vois, le collectif ça suffit, c'est un collectif des jeunes, réfléchis, épris de démocratie, on ne se laisse pas malmener, d'où même notre réaction. Quand Malalou demande qu'on puisse nous raisonner, nous, mais plutôt, Bisso Bototo Loba, il faut raisonner, il faut comprendre. Que prise de position na yé toujours respecté Ango toujours respecté prise de position vraiment dans une bête à c'était na côté on a point on a Aristide donc biso tu veux qu'on sacrifie ma vie na biso on reste à combattre. Moi je suis encore jeune, j'ai fini mes études, je mène ma petite vie de famille ici, j'étudie ici, nazo multiplie ma petit boulot, je pouvais bien rentrer chez moi au pays. Ah oui, et nazo pe ba bak ndunda te tondengeni parce que bango ba kansaka ne ba mona rabiso ne on a ba combattant ba nini tout ça là, c'est comme si nous étions des troubadours. Non, nous ne sommes pas des troubadours. Nous travaillons ensemble na ba ba to oyo misusu mikolo misusu tozo pesa pe ba zide mais na off ba ba comprendre en côté. Donc yé vraiment à assumer position na yé. Assumer position parce que biso bakozo biso sous le col là bouc émissaire t donc na collectif ça suffit. Aujourd'hui je vais inviter les Congolais partout au monde que bakende na page bakende na page ya PNUD hein na page ya PNUD bakotanga rapport annuel il y a Afrique centrale na page 53 ils vont voir que au PNUD, le PNUD a parlé du collectif ça suffit. Ezolingo lobanine, hormis qui combattent tout ça la carana, il y a un vrai travail de fond institutionnel que tout ça la Aristide. Bongo ezali. Donc biso ta bato moko ta ba etilikté ba chanvreté tout ça réfléchi. Au moment où je te parle, Andrea Gombe va se déplacer pour l'Allemagne le 8. Hein, tu pourras vérifier le 8 là où il va prendre part à un sommet des jeunes leaders, comme il a participé à Ottawa la dernière fois, tu as vu, le drapeau du Congo était érigé à Ottawa. Ensemble, il a parlé des méfaits du régime agonisant de M. Denis Sassou Nguesso. Donc aujourd'hui, tous autres travaillent. En passant, je te dis, le réseau Fabio, Otonelo Fabio, Bangonde Bazaga, blanchisseur d'argent à Denis Sassou Nguesso. Sassou Moussik et Sikazawana, tant que Sandrine Zagana, petit momi, il y a Fabioana. Bah, il y a bien ma cambano ça là. Maintenant, Aristide, benda esprit, benda plan. Ce réseau, on a tout boukian, la minute, on a tout le banao. Le réseau italien a été démantelé. De toute façon, il y a eu Sandrine, après ça, on a Jean-Marc Tister Tikaya. Nous sommes tous en kaka, esprit, faut que benda ka vision. La presse Sassou, Azolingo a installé l'idéologie à banana bana. Donc Marc Tister Tikaya na pointe noire a bloqué ma solo pendant que préparer terrain quoi baliser terrain pour na Denis Christer Sassou Nguesso. Parfait collé là. Moi n'a parfait collé là. Maintenant l'obitan ya ko bimisa bino kiki. Bino boko boya ndenge nini. Boko boya ndenge nini. Donc peuple congolais faut qu'on fonde la miso. La DNR, la dynamique de la nouvelle république. D'ici peu de temps, dans l'élection législative, il y a un député Bélé. Donc, ils ont déjà chemin à baliser. Biso na côté Oyo, au niveau institutionnel, le pouvoir a été mis à nu. Il y a un FMI, il y a un FMI. Il y a une vérité, il y a une congolaise rupture. Arrêtez mon bibis. Papier, il y a une alerte. Biso est toujours agonisé. Donc, qui combat Biso tout ça là. Et Zakakate, au nom, il va récupérer moto, tirer farine, tonding, non. Et de toute façon, on a changé de cap. On a changé de cap. Là, André, en Allemagne, il sera reçu par des entrepreneurs là-bas. Les gens, parce qu'on envisage déjà la presse Sassou. On a bien l'esprit, vision d'Engezali, la presse Sassou. Parce que tous ceux qui sont en train de travailler au pays économiquement, qui protègent ce pouvoir-là, une fois que Sassou tombe, Baoliama, Baotambola, l'investisseur Monsieur Soubakoyaka. Donc voilà un peu le mot de la fin. Banya de Kunkwati à Kélé, soyez vigilants.
Banya ben kilawa, banana bino baza awa. Tous les lacatés, tous les continuer au bunda, parce que ma cambo est bateau, ma koufi est belé, est belé, est belé. Et un message à ma résistante, à ma combattant sur la place de Paris, soyez toujours vigilants, soyez éveillés, vraiment combat est un akibo solo. Voilà. Hérold, tout comme Inasuka, Liloba Suka, le mot de la fin, s'il vous plaît. Merci encore. N'accueille yo Pessibiso. Toujours dans ta 5 étoiles. Toujours. Ah. Tolobaming était parce que être combattant ne veut pas dire que tu veux éviter. Biso peut te vivre en Abisoga. Donc. Car après, dans moi, le rôle là. Non, tu as sombé le kiki, tu as sombé le. Mais. Ce qui est un yo kiki, tu as sombé le. Yo, peut-être pas sombé le kiki. Mais yo, il faut répondre à la question là parce que tu me connais très bien. Oui, vu que tu as ça là. Et c'est pas ma première voiture. De toutes les façons, donc Kariza, Shunga Kariza et Loko, parce que j'ai commencé à acheter ma première voiture à l'âge de 19 ans. Donc, il y a une première voiture dans la côté. Donc, Bako, non, Bako Sombe dans la voiture. Non, mais bon, Mounanga et à la fin, déjà, je vais profiter de l'occasion à souhaiter joyeux anniversaire. À celle qui s'occupe de moi, à celle qui fait que tous les jours n'abîme pas beau gosse. Donc. Naza déjà occupé. Oui, la moitié ceux qui n'a ceux qui bosniaque, ceux qui montent ma route avec son tchétché. On a n'a couru la moitié dans mon tête. Est-ce que n'a couru nana il longue a couru la moitié, n'a couru la moitié dans mon tête. Non, bah couper ça un peu moins cité. Moto à le bas qui en haut il faut abîmer le bas. Mais donc je profite pour cette occasion, on a souhaité joyeux anniversaire, je t'aime beaucoup. Et puis mon anga à la fin vous allez que bana wenze, bana mpila, bana tarangai. On se prépare, et on ira jusqu'à la fin. Donc, pour le mot de la fin, on a remercié Vieux Tour pour soutenir Kebiso, surtout précisément Guy Mafimba, la bosse interview Marc Mapingu, toujours on a vu Basalaka pour que tout continue combat, tout avancer. Et donc on a beau s'intéresser Karonda, hein, vieux bougie, binotou, côté Bozali, Bambote Mingi, tout continuer, sœur Madonna, Pession Bote, côté Ozaï, binotou, on a beau s'intéresser binoté, donc mon anga à la fin, moussoukozala que tout continuer, binomon comme vous, mon à la preuve, hein, papa, papi, ça soit au cocal, c'était comme le dernier moment hier, mais bon, tout le monde, donc merci, merci, merci à trop. C'était le mot de la fin. Braza Paris Info, expert en exclusivité, expert en images exclusives. Tout le monde est d'accord. Quand vous avez une émission, on a déjà une Jeanne d'Arc, Sadio Kanté Morel, Bibliothèque Internationale. On a déjà une émission, on a Gertrude Malalou, parce qu'on a une tontine. On a un peu de bisous. On a un peu de bisous. On a vu un peu de Sefa, Godefroy Karonda, John Benit Nzaba, Bruno Mouele, Patrick Munzeo. Anissé Kib, on a beau s'en aimé Kapata, le big boss, Narati à Lyon, Boza et Belé, Toko Wapona Ekolo, Toko Wapona Ekolo, Marambo, Toko Tika Kango, jamais tant que ça soit dans le pouvoir. Donc, Toko Tika Kango, jamais, tu peux écouter avec bon, mais tu Tika Marambo. Yo, cité big boss, non, on appelle la cité big boss, non, la cité vient dans la marque, ma pingo. Ah, donc. Yo, cité big boss, non. Ah. Le big boss n'est qui? Oh, big boss n'est qui? Jamais. Kiki Angualima. Et le bas Tom Melvin. Le hein? Big boss n'est qui? Tom Melvin depuis ba côté wana, hein? Côté à Teresa May quoi. Zo ya yo ba salam ba nini. Ils ont vraiment ma dédicacé mais hein, ils ont linga kaka ko remercier. Bon bato oyo bazo permettre biso to avancer na kati ya makambo parce que makambo yo eko makambo ko na spiritualité ya makasi. Za na kati ya makambo. Donc Marc Mapingu. Vraiment un coup de chapeau. Yo moko yibika basé fait. Cercle militaire. Ah, cercle militaire. A pu goûter à tromper. Ah, guichet fermé. Donc, ici, on voit qu'invitation dans la boîte à lettres. Ah ouais, mais ma bégale, ma masse, la vie. Non. C'est pas ça le problème. Non, ouais. C'est pas ça le problème. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que, ben voilà,
Non, c'est pas ça. Il n'y a rien de tout ça. Tu sais que aujourd'hui, Marc Mapingu, c'est Aza vraiment homme d'État. Hein, Marc Mapingu, Aza hors norme et tout ça. Donc voilà quoi. Moi casting peu, le vieux Guy Mafimba, Olivier Toulé, Tchobo Akotsi Mpila, Naron. Nous avons 7 médias. Vieux Marc Mapingu, vieux Guy Mafimba a récupéré Bango, a bêté le plan. Banzo Lela Lela Kaka. Donc, Godofan Karanda, vieux bougie. Hein? Vieux bougie, on a pire mot. Vieux bougie. Donc, bougie, on a lumière au Saranate. Hein? Sage Monene, vieux bougie, continue à faire ça, la Ozo Sala. Le Zola Kanda Jacques, tu es banité. Mais mon Sala n'a eu la vérité, Ozo Sala, Anna. N'a pas Joana, vraiment, j'aimerais bien te rencontrer un jour et continuer avec Bongo, bien de choses à tout le monde et que nous osons croire que Tokomuna, le soleil en haut, en ce jour, le soleil se levera au Congo Brazzaville. Merci beaucoup, Ingeta, Ingeta. Merci, Gelor Prabou, c'était le mot de la fin. Veuillez nous excuser si ça tire un tout petit peu en longueur. Ça te coûte un arabouet. Plaisir à trop. À très bientôt.